بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو الخير الرازقين. Tout grand bien pour l'un, celui qui me donne le privilège pour nous rassembler dans la case aujourd'hui, nous proclame ce grandeur, nous témoigne son unicité, nous déclarer qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoigner que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit Allah son serviteur et Allah son messager. Comment nous tous nous courons que l'islam en lui-même c'est un mode de vie. Coran et Sunna, son objectif c'est produire une société qui est orientée par Tawhid, par l'unicité absolue Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de ça, il y a une série de principes qui découlent de sa notion de Tawhid. Un principe comme Rahma, compassion, pitié, Adl, la justice, Tawazun, le juste milieu dans tout domaine. Al-Ihsan, l'excellence. Et tout cela, c'est un thème qui, alhamdoulilah, nous tous qui ici, depuis beaucoup d'années, nous peut écouter, nous peut tendre. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le thème, c'est Rahma, notre domaine business. Rahma, c'est un concept qui traduit par compassion, pitié, mais quand nous guettons, cette définition que nous guette dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'il est aussi faux que l'amour lui-même. Et les citants vitales qu'Allah ta'ala l'île ar-Rahman. Et nous, l'un encourage nous pour nous rendre une place dans mon ibad ar-Rahman. Mon serviteur de celui qui remplit avec rahma, avec compassion. Et il faut dire que ce rahma-là, il rentre dans tout domaine nous la vie. Dans nous la 15, dans nos masjid, parce que le travail, l'eau, la riz, partout, ce qui nous succède, c'est quand on a réussi à faire rahma, rendre tout domaine la vie. Parce qu'on ne peut pas faire un rien. Et la case que tu as rahma, c'est pas la case. Appelez un enclos, si vous voulez. Appelez un pensionnat, parce que si vous venez dormir là-dedans. Appelez un store, un godam, mais pas la case. Dimension centrale, c'est Rahman. Une société qui paie la Rahman, paie la compassion,
Dans le fort, vous avez besoin de faible, dans le riche, vous avez besoin de pauvre. C'est une société qui est condamnée pour une crise, bouleversement, catastrophe. Pareillement, l'éducation que peine Rahman, c'est l'éducation qui produit Aziz, un robot, bien intelligent, bien sophistiqué, produit un automate, une machine, mais pas un humain. Au centre de l'éducation dans l'islam est Rahman. Pareillement, dans business, c'est peine Rahman. C'est là qui nous retrouve nous comme un bourreau. C'est là qui effectivement retrouve ben, qui fait business, ce comportement ressemblé en tout, nous capable de dire un clic mafia. Il peut paraître faux ce qu'il nous peut dire, mafia, criminel. Un petit item qui nous fait l'actualité la semaine dernière et qui effectivement tout ça coûte balas centré là. Dans l'Allemagne, une haute cour, la cour fédérale administrative dans l'Allemagne, il permet tous les poussins mâles qui naissent. En lui-même, c'est une nouvelle qui, dans Maurice, à peine, n'est pas newsworthy, n'est pas intéresse personne. Mais dans l'Europe, partout ça tapé, dans le journal, dans la France, dans l'Angleterre, c'est toute réponse à cette décision-là. Une grande cour dans l'Allemagne, il permet, c'est illégal ça. Tout le petit poussin mal. Et ça, il réfère à l'industrie d'Isef dans l'Allemagne. L'industrie d'Isef, côté là, dans l'Allemagne, tous les années, quand l'entreprise, côté là, 200 000 poules, 300 000 poules, un seul côté, quand on peut éclore, ou 100 000 petits poussins nés, et là, il y a un processus qui fait. Ce n'est pas un poussin. Poussin mal un côté, poussin femelle un côté. Et tout ce poussin mal, Altuizot. Dans l'Allemagne, 45 millions de poussins mâles tués par banané. C'est choquant, parce que nous ne pas comme ça la réalité là. Et finalement, quand on lit, on trouve qu'il fait sa nouvelle-là, il intéresse l'Europe partout, parce que dans l'Angleterre, il y a 40 millions de poussins mâles, c'est un petit coq qui a détruit par banané. 40 millions. Et dans la France, ah ben ça, un poussin inutile, 50 millions tués par banané. Voilà le YouTube, on passe un mot broyage poussin. Vous pouvez voir une vidéo, ça massacre qui fait là. C'est un poussin. Un poussin, c'est un créature qui parle lui-même de suscite Rahman. Même qui constitue comme un bourreau, quand vous êtes un petit poussin, vous dites, pas tous les, pas faire des douilles. C'est un lit joli. Prends ça, mais je demande une machine quand tu allais broyer les autres. Donc, 10 secondes, craser la poussière. Dans le monde, il y a 5 000 millions de poussins mâles qui détruisent les bananes. C'est normal. La cour d'Allemagne est légale. Tout y est, continue, massacré. Les secondes, les révoltants, vous voyez cette vidéo-là, le YouTube, les révoltants. Les révoltants, on dit, mais pas possible un tel crime, un petit poussin. Et dans l'industrie, ça c'est dans l'industrie d'ISEF. Si vous continuez l'industrie, par exemple, d'Ile, ou pour pareil, un phénomène qui est révolté où, quand un vase lui met bas, il y a pour dire un petit taureau ou bien un petit zénis. Petit zénis là, garde-le parce que plus tard, il peut produire d'Ile. Petit taureau là, à tuer ça. Dans l'Angleterre, tu es 95 000 petits euros par banané. 95 000 petits euros tués par banané. Donc, regarde cette vidéo-là, YouTube prend sa maltraitance qui est là pour les autres, moi je te fais tenir. C'est pas aux autres, je travaille un peu poussé, pas pour de la pelle, tableau, la tête, broie les autres, tuer les autres. Et beaucoup de récits, je peux faire, comment manière pour tuer les autres d'une façon plus vite, et avec minimum souffrance. Comprendre, nous peut dire 2019, nous ne pouvons pas cause quelque chose qui passe dans Congo, Brazzaville ou bien dans Bénin, non. Nous peut cause l'Allemagne, nous peut cause la France, l'Angleterre, Nouvelle-Zélande, l'Australie, un grand pays qui a la même de la production. Quand tu fouilles, quand tu lis, on trouve dans l'industrie, c'est le foie gras. Un canard, c'est le foie et la belle vallée, ça.
Là-bas, c'est le contraire. Ce qui a la valeur, c'est quand canard nous dit mais de bas, il y a un petit canard mâle, un petit canard femelle. Mâle là, il y a la valeur. Canard femelle, peine à valeur. Peine à valeur, dans la France, puis 40 millions de cantons femelles pour l'année. 40 millions de cantons femelles. Il y a quoi des clous dans ce dans ce 17 qu'on guettait en. Ça, femelle, ça, détruit-elle. Nous ne pouvons pas millions, nous ne pouvons pas un qu'il dit, qui quitte foi. Ben, en ce qui nous dit, bon, bon, si tu as ça aujourd'hui, vous avez une difficulté pour croire. Qui fait, hein? Parce que ça, ce qui me dit, c'est un siffle, il diminue le profit de ben élevé. Il y a même un manque à gagner. Et là, nous venons dans la parenthèse, pour affirme ce que nous disons pour tout. Quand aujourd'hui, ou tout, nous tous qui ici, au lieu de journal, il y a la faim dans l'Afrique. Il y a la famine, 10 personnes peinées, 10 faux, mes enfants peinent, peinent à manger. Parfois, il y a là, qui fait que tu provoques ça? C'est une bonne question. Question qui me fait, qui fait 10 personnes qui provoquent ça? Tout ce que vous trouvez comme la faim, comme la misère, il ne provoque pas l'âme de 10 personnes. C'est ce qu'Allah dit de prendre. Zahra al-fasad fi al-barri wal-bahr, bima kasabat aydinas. Al-fasad. Désordre, crime, pauvreté, il paraît l'eau, la mer et dans la terre, pour ça qu'il dit mon produire, pour ça qu'il la mer dit mon produire. C'est fait nous comprendre qu'aujourd'hui, autant dire la famine, c'est dit mon j'allais naturel, dire non, il n'est pas naturel ça. Nous tous qui sommes dans l'école, nous apprenons man-made et naturel. Naturel, c'est ce qui dit bon j'ai une faire. Man-made, c'est ce qui dit mon faire. La riz, le man-made. Cyclone, le naturel. Aujourd'hui, non. Quand il y a catastrophe naturelle, nous sentions, on dirait, même si les doigts qui s'atterrent, bon Dieu, Yallah, toi qui es coupable, parce qu'il y a cyclone. Toi qui es coupable, parce qu'il y a flash flood, inondation. Non. Tout cela, c'est l'âme du monde qui produit, pas naturel. Ça, c'est ça qui est l'âme du monde qui produit. Exactement ce qu'aujourd'hui, malgré ce que nous donnons, nous conseillons un petit secteur, c'est-à-dire l'alimentation, ça va une cruauté qui fait, il dit, non seulement les révoltants, il est à la limite de l'incroyable. Il y a une difficulté, pourquoi? Il ne cause pas millions d'animaux, pas milliards. Si pour ça, c'est pas milliards. Et ce qui est en même temps intéressant là-dedans, nous disons qu'à travers les temps, tout le monde qui est dans l'élevage, un des moments où je suis plus content quand là, ces animaux reproduire, qu'ils soient pour bœuf, pour cabri, pour mouton, pour poule, quand bœuf, pardon, on va se mettre bas ou extra content. C'est cette civilisation qu'on nous était, qu'on va les détruire à peine, ça t'y pousse l'année, ça canton là, ou bien ça vaut là, mais détruire les tout de suite. Effectivement, c'est une situation inédite qui n'existe dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas fini là. Mais ce qui est incroyable, tu n'as rien fait provision pour ça. Coran, il a un verset Coran, quand Allah veut dire, ok, aïe, mende, bête, l'un, t'achmel ou dispara. Qui quantité est là dans les animaux, qui passe sérieux sur risque, qui passe sérieux sur risque, lui, il pas casse la tête avec son risque, qui fait, Allahu yarzuquha, parce que c'est Allah qui nourrit, lui, wa iyakum, et toi ici, c'est Allah qui vous nourrit, toi. C'est qu'elle a fait comprendre, comme si ça avait été de décembre pour 2019, pour faire ça, il y a des gens qui peuvent prendre le tracas, vous dire, tu connais, mais ça, il vous diminue, nous manque à gagner. Il vous diminue, nous profit. Nous ne pouvons pas maximiser le profit. Allah, je n'ai pas cassé tout la tête. Dis, l'oblige-toi, c'est nous qui vous nourrir, et nous vous nourrir tous ici. Même quand tu es capable d'être multimilliardaire, ton résultat, c'est nous qui contrôlons. C'est cette vérité-là qu'elle avait le comprendre. Et là, je vois, ça m'est en l'air, Allah, il est en tout, et Allah, il compte tout. À partir de là, c'est qui ça? Sa situation là, les remèdes devant nous, ça nous dit business model, sa philosophie business qui ça le monde là et d'adopter, qui ça le monde a proposé. Aujourd'hui, tout business, tout businessman, si vous causez que comptable, il vous dit où? Il cause profit maximization. Business fait maximum profit avec ressources qu'il investit. Si vous peindrez ici, right, si vous avez une machine qui vous amène le 24/24, si vous travaillez ici, vous êtes temps comptable, vous êtes beau, vous êtes perdu casse. Machine n'est pas pour travailler 24/24, ça. Elle a une ressource pour dormir, vous faites des travaux plus. 22e chiffre, 23e chiffre, profit maximization. Ça, c'est un demande philosophique criminel qui existe sur sa planète-là. Parce qu'il pousse sa planète-là au bout d'un véritable désastre. Il produit la famine, il produit la somase, il produit une polarisation.
la richesse d'un côté, du monde misère d'un côté. Un du monde super riche d'un côté, un du monde super pauvre d'un côté. Super riche là, les citants riches qui a aujourd'hui n'est capable à faire, ils peuvent faire tourisme dans l'espace. Ou dépense 200 000 dollars, ou elle fait une tournée 10 minutes dans l'espace, où il y a une sensation nouvelle. Il y a un client pour ça. Tourisme spatial. Ou dépense 7 millions de roupies pour 10 minutes de plaisir. Ça, c'est un groupe. L'autre groupe du monde hyper pauvre, il est condamné pour fouiller des bines, pour les capables de survivre, pour les capables de gagner beaucoup de lésions pour sa famille. Ça, c'est la réalité. Dis dans une telle situation, c'est que l'islam de nous, l'islam aussi, il y a un business model. Il y a une philosophie commerce dans l'islam. Et ça, sa philosophie, effectivement, les grands, en lui-même, les bien élaborés, un aspect qui nous touche aujourd'hui, un aspect qui nous gagne, dans le verset Coran qui nous est dans l'introduction dans Surah 34, verset 39, que Allah t'a dit là, ouais, mais un facto min shay'in. Traduction littérale, tout ce qu'ils ont dépensé, fahoua yukhlifuhu, li pou, remplace li. Wahoua khayrul rasiqin, li meyer parmi ban rasiq, li meyer donateur. Allah li meyer donateur. Si vous traduisez ce verset-là d'un jargon commercial, Allah peut dire tout ça qui t'a investi, c'est moi qui vous donne ce dividende. Tout ce qui t'a investi dans mon cimé, c'est moi qui vous donne ce dividende. Et Allah le meilleur dans donner, dans offrir, dans partager. Sa générosité est sans limite. Vous faites comprendre? C'est qu'ici, Allah a ouvert un autre créneau. Pour faire nous comprendre que dans le monde, il a dit qu'on investit dans le manger, il a dit qu'on investit dans l'habillement, il a investi dans dans l'eau, dans l'immobilier, dans l'informatique. Il y a un créneau qui n'est pas oublié pour investir. Ou d'un bout de tes ressources, investis dans Rahma. Investis dans Rahma. C'est un créneau qui rapporte gros. C'est un créneau que c'est moi qui donne ce dividende. C'est moi qui donne ce dividende. À partir de là, mon perspective sensée. Mon façon qui m'occupe de business sensée. Mon comptabilité sensée. Mon sang poule, mon la boucherie, mon vente poule. Mon travail, l'année financière terminée, 30 juin. Mon comptable, il me donne mon bilan. Profitez-los. Quand vous avez mon bilan, vous trouvez une banane qui est traversée pendant le 1er juillet, 20 jusqu'à le 30 juin, quand mon comptable était sérieux, vous savez, on travaille 200 000 roubles. 200 000 roubles avant, pendant une banane. Pour l'islam, ça compte là, il n'est pas complet. Il y a un détail qui morce là-dedans. C'est que l'islam dit maintenant de ta comptabilité, en même temps qu'il te met ton chiffre d'affaires 200 000, l'autre colonne, ce qui m'a intéressé pour connaître, qui commence à sourire, tu ne réussis à mettre le figuier ban orphelin pendant cette année financière là. Qui quantité, sa ration, tu ne réussis à le déposer, que ban veuille dans tout l'endroit pendant cette année financière là. Ce ban détail là, il est beaucoup plus important que de 200 000 roupies. Chiffre d'affaires. À partir de là, ce que l'islam fait, ce que Allah fait me comprendre, qui ça vive dans tout l'endroit, ça offre là, living un partenaire de ton business. Ton succès, ton prospérité, ton sustainability dépend le bien-être vivre avec orphelin. Je viens de me partenaire de mon business. Ça, c'est une autre philosophie, ça. Et plus tu fais business, plus tu investis dans Rahman. Plus tu mazines Benjamin qui est dans la difficulté, qui est dans la dette, qui n'est pas capable de les débouts, pas capable de payer les autres courants, pas capable de payer les autres gaz, moi je donne ta dividende là. Secteur Rahman, c'est moi qui donne ce dividende. Les salis tous, non seulement veuves, non seulement orphelins, qui toute la société vient de partenaire en mode de mon business, mais l'islam est en ligne. C'est qui dans mon laboucherie. Dans la boucherie, il y a des sacs qui viennent traîner devant la porte de moi. Là, pour que tu aies des lésions au donné, Allah fait moi comprendre qu'il y a des lésions qui te donnent pendant 365 jours là, ce dividende là, wahoua yuhlifuhu. C'est un investissement ça. C'est un investissement ça. Les autres pour considérer ça décès, pour considérer ça perdition, nous considérons ça investissement dans Rahman.
Ça sac là, ce dividende, Allah dit moi qui donne pour ça. Moi, j'ai une petite plantation dans la plantation Cotomili, dans tes roses, et les oiseaux qui viennent manger dans la graine. Allah dit à ça là, ça investissement là, moi qui donne pour ça. Tu investis là-bas, ces oiseaux là, ce hack, tu donnes lui, ce dividende, moi qui donne toi. Licence, toute mon notion comptabilité, mon notion business. Alors, ce qui est dans ce même monde là, quand on fait un business, c'est qui, si vous entendez, vous pouvez dire survival of the fittest. Et la compétition, coupe grosse, féroce, et dans le cas d'aller désigner parfois dans le conflit, contre c'est moi, contre tous les risques. Contre tous les risques. Ou dans le magasin, un carré de royal, vous pouvez dire, ben Hanif, vous pouvez seulement pas, tu connais qu'il y avait, ben Hanif, ce qu'un carré de brûlé, vous dites, machallah, faites dire la carte de masse. Ben Hanif, ce qu'un carré de brûlé. Ça, c'est concept général à ce qu'il y a là. Mais dans ce que l'islam donne comme business model, non seulement ban veille, ban orphelin, prendre des pissacs qui vous donnent les os, jusqu'à ce oiseau qui mange dans vos pieds, vous avez un dividende pour gagner, la société, la nature, tout vient être partenaire de mon business. Entre moi et la société, il y a un conflit, il y a une compétition, il y a un partnership, il y a une harmonie. Et l'interdépendance. Mon succès comme businessman a tassé avec, ne pas dire existe, bien-être du monde, mais même bien-être ça qui traverse devant moi, la bousserie. Il est révolutionnaire ça. Il est révolutionnaire. Mais ça, c'est sa business model que l'islam dit maintenant. Investir une partie de ressources dans Rahma. Ce dividende, c'est moi qui donne toi. Voilà, quand mais ça, théorie ça. Théorie. Dans la pratique, pour l'appliquer. Oui. Dans la théorie, c'est que nous disons ça, philosophie contemporaine. Quand là, il faut comprendre qu'il pour réussir, ou bien crase tous les risques. Ou bien massacrer 40 millions de poules dans l'Allemagne pour réussir comme éleveur. Ou bien détruire 95 000 veaux qui ne fait que pour réussir, pour atteindre maximum profit. Dans l'islam, c'est pas ça, ça. Dans l'islam, c'est qu'il s'est diamétralement opposé. Tant que tu investis dans Rahma, tant que tu gagnes. C'est qu'il comprend qu'il nous avec tous les risques, avec et non pas contre tous les risques. Et d'ailleurs, nous gagnons ça dans la pratique, nous comprenons tous des cases study, des l'exemple vivant que nous avons devant nous. Un, c'est Othman ibn Affan. Deuxième, c'est Abdurrahman ibn Auf. Effectivement, ce que vous me dites là, Abdurrahman ibn Auf, c'était ce devise. Abdurrahman ibn Auf, un sahaba. Quand le père Hijza rentre dans Medina, il n'y a rien. Il dit sur l'aise et sur savate. C'est tout. Il n'y a rien. Il dit un sahaba qui propose, il dit déjà non, montrez-moi bazar au côté. Montrez-moi ce bazar au côté. Il dit bazar Medina. Effectivement, il y a le bazar. Montrez-le ici, il y a un demande multi, nous ne disons pas multimillionnaire, un milliardaire dans l'époque du prophète Mohammed. Et à travers Sira, on peut capable de dire ce progression matérielle. Comment il a commencé à le faire dans l'année? Après, c'est un moment, il vient dire à mon prophète, quand le prophète paye des mains, il a contribué à l'expédition, il y a Rasulallah, il y a 4000 pièces d'or. Il donne 2000 dans ce miel-là, il y a 2000 pour la famille. Plus tard, il est venu, il y avait 50 000 accueillants. Il y a un gens qui ont le flair, le business acumen, ils ont fait business, ils ont fait l'opportunité. Ils ont travaillé là. Plus tard, il donne 500 samos dans ce miel-là. Il lui donne 1500 samos. Ce progrès visible, tangible, et quand il m'a dit qu'il était une pauvreté incroyable, phénoménal. Ce devise, c'était Ahlul Madina Jami'an, Shuraka'u li Ibn Auf fi Malihi. Ce devise, c'est que Medina en entier, je suis associé de Ibn Auf de son richesse. Quand il dit son richesse, il ne va pas dire un sac pour moi ça. Non. Il dit ça pour nous ça. Et ce nous, il dit en sens, Medina est entier. Toute longue sur la vie. Toute longue sur la vie, finalement, il compte un succès incroyable, une success story formidable. Parce que lui-même lui dit, qu'il y arrive en citant Allah dans son richesse. Il se vise sa devise là. Un tiers sur richesse, c'est un djimoun. Ban qui n'a dette les pays de dette. Libère man esclave. Et ban djimoun qui n'a pas capable de se donner des bouts. Un tiers de son richesse. Finalement, tant qu'il donne, il gagne. On trouve comment son richesse grandit. À tel point, il arrive à une place que lui-même lui dit, c'est que, moi j'arrive à une situation, voilà, on a fait tout hajaran, la radia ou tout, un asuba tahtahu, zahaban ou fidda. Moi j'arrive à une place que, même si moi avance un rousse,
mon petit pessier qui ambassade au sein de soit l'eau, soit l'argent. Pour dire tout ce qu'il y fait, son. Tout ce qu'il essaye, il réussit. Dans toute l'entreprise qu'il y fait, il gagne. Parce que ce devise, c'était une devise qui cadrait avec sa business model que l'islam donnait. Lorsqu'on a investi dans Rahma, lorsqu'on a investi dans ce miel-là, Allah dit ce dividende, c'est moi qui donne toi. Et nous avons l'autre exemple de la personne de Omar de Othman ibn Affan, radiallahu anhu. Pareil. Bout en bout, plus investi, plus dividende rentré. Dans l'époque, au bagage Siddiq, radiallahu anhu, un grand, la famine de Medina. Pour l'époque, la pipe a tombé, Jimon, pénamanzé, tout stock, une finie plantation, papier rapport, non, rien. Jimon, désespéré, dans ce moment-là, il y a une nouvelle, une caravane est rentrée. Et qui sera ce caravane, ça? Qui est dans la caravane là? 1000 samos remplis en provision, puis sont la Syrie, bien venue. 1000 samos remplis en provision, veut dire de l'huile, montée, djibère, la farine, djibère, bien venue, et puis la Syrie. Toujours pour être content. C'était là, manger, rentrer, vis-à-vis de Boukoré. Même commerçant dans l'endroit, normal, et dans la famine, c'est-à-dire manger, rentrer, je vais être en train de la fin. Oh, Othman, nous faisons 10 lots, toi. Tout le monde m'a senti, je fais 40 000 d'Angela. Effectivement, viens nous causer. Nous faisons 10 lots, toi. 12 pour 10. 12 pour 10, c'est-à-dire 20%. Dire combien tu as payé, non, juste 20% de là. Nous disons, moi, j'ai une meilleure offre que ça. Je dis, ok, Rissé, 15 pour 10. 15 pour 10. Et nous avons 50% plus. Nous avons une meilleure offre qui ça. Peut-être 15 pour 10, meilleure offre qui ça. Mais qui peut nous demander nous? Nous avons une qui peut dire moi, lui peut donner moi 100 pour 10. Et 100 pour 10, donne-lui. Nous avons dit Allah ça. Nous avons dit, Abil Hassanati falahu ashram saliha. C'est nous qui venons avec un bon travail, nous donnons 10 fois. Nous avons dit, ouvert à Godam, tout ce qui est rentré, sorti, portage, dans tout le monde de Medina. Donne-nous tout ce qui est bizet, dilé, de l'huile, menthe, la farine, tout rempli. Imaginez ça. Et moi, quand la Syrie t'a arrêté, l'étiquette fait business, c'est pour 100% halal. Mais sous conception, investir dans Rahman. Les larguer, les portages, tout. Tout dans ce même-là. Quelques temps après. Othman ibn Affan, pareil, il a investi ses points ici, il a voyé l'autre côté. Il a voyé une cargaison tam dans l'Irak. Avoir tam dans l'Irak, c'est très drôle ça. Parce que l'Irak, c'est un grand produit de tam. Les malins étaient déjà, maintenant tu mets dans le corps, je suis rentré. Pour que ça, ça dit, Othman ibn Affan. Tu vois, Othman qui l'a mené, tam. Il y a tam de Medina. Mais nous, on go dans le tam, tu peux déborder ici. Qui veut finalement, ce bandit, on est venu, il est bloqué pour un petit moment. Puis là, tout tam reste en place. Dans l'Irak, le bandit, on commence à avoir une infection dans les yeux. Ça n'est pas une infection. Puis là, ophtalmologue, puis on a dispensé, je veux dire, fée, la tisane, fric. Finalement, j'ai trouvé après des temps, ça tombe qu'une fée qui venait là, elle est efficace pour guérir l'infection lisier. Ce caravane disparaît. Un seul coup, tout le monde venait acheter, prendre pour kilo, pour tout, pour drôme, ils vendent tout, t'as ben jackpot. C'est une action et réaction. Ils commencent nous la TSA. Plus grand filière, plus grand créneau, c'est investi dans Rahma. Investi dans sa filière qui est Allah Ta'ala, il dit que c'est moi qui donne ce dividende dans sa similaire. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. C'est que nous avons dit, c'est un petit rappel par rapport à une réalité qui est la peine de comprendre, l'investir dans Rahma. L'investir dans Rahma, comment c'est une philosophie qui en lui-même l'hypote, les pousse nous pour adopter une autre vision. Dans sa, contrairement à sa philosophie qui court en côte là autour tout le monde, comme un adversaire, comme un concurrent qui vous écrase, vous élimine par magouille, par complot, par corruption, par concurrence déloyale, ici, autour tout, non seulement aux clients, aux travailleurs, mais même banvé, banno félin, tissac, tipoul, viennent porter pour dans sa modèle que l'islam préconisait, investi dans Rahma. Et nous gagnons dans tout ce que l'islam enseigne nous, c'est justement pour pousser nous vers sa vision-là. Et par là, c'est vraiment pour qu'il nous relation avec nos concurrents. C'est aussi simple que ça. Nos
madame est dans le magasin de la Ripagouda, devant Tchoulidar. Grand matin, quand il vient à ce magasin, si quelque part, quand il vient à droite, au loin, est possible, ce cargaison est un rétor pour rentrer. Fait-il rentrer dans l'air. Fait-il rester avant Eid pour le cas de travail. Au loin, et Rihanna, ce banhourni est un rétor, fait-il réussir, fait client le côté, remplir ce tiroir, mettre barakat dans ce business. Dans ce moment-là, Allah dit, on m'a envoyé un farista, mais dans le Mokarabin, parmi mes proches, qui viennent faire même droit pour, ou Allah donne lui aussi pareil. Qui fait ça? C'est faire nous comprendre quelque chose. Quand un sujet particulier avec Abdurrahman ibn Raouf, il prend un succès extraordinaire, un progrès phénoménal, dit quelque chose. Parce que ce début, c'était Ahlul Madina Jami'an, Shuraka ou les Ibn Raouf Imalihi. Ahlul Madina en général, ce homme, ce madame, ce félin, tout est un port de Mauritius. Deuxième quelque chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je fais droit pour lui. Oh Allah, mes bénédictions dans la richesse de Abdurrahman ibn Raouf. Mais pas sinon, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait un droit pour vous, ou pas pour gagner, mais pour nous, il y a un prophète pour faire un droit pour vous. Allah j'ai donné une alternative. Je fais un farista, pas bien, moukarrabin, descendre devant le perron ton magasin grand matin pour faire droit pour toi, à condition qu'il te l'équipe propre. Vis-à-vis de tout bon compétiteur, adopter ça le guerre, il y a arabe, toi qui donne les actes. Toi qui remplis tiroir, toi qui remplis postier arabe. Ce qui te manquait pour moi, je ne peux pas gagner un sou en plus ni un sou en moins. Ce qui te manquait pour mon compétiteur, pour Osman, pour Idriss, pour Latif, je ne peux pas gagner un sou en plus, un sou en moins. Qui fait mon bizarre l'animosité, l'ennemité, amiatime dans le guerre vis-à-vis des autres. C'est ça que l'islam corrigé. Non, adopter. Elle est claire. Oh là, aide tout le monde frère qui est dans le business. Et tout le monde sait qu'il n'arrive pas à vous dans le business. Elle a dit m'envoyer un farista pour dire pour toi-même. À condition qu'il t'a adopté sa business model. La côte là, tu investis dans Rahman, tu fais qu'il te comprend que sa business, ça n'a jamais pas servi moi pour moi, ça non. Quand tu moi finalement, ou soit nous, quand on réduit lui, ou tu fais mal dans réduire, ou tu en dis des frères, tu es dans le business, grand frère, mais tu fais de haut. Un frère qui est dans le business, tu as grand frère, prend, tu sais, une météo. Finalement, on réduit. Moi, là aussi, nous, là, il réduit. L'islam des grands, il dit. Faire comprendre qu'il a nous, les rassembler. Non seulement la société, la nature, parce que ça arabe-là, il est infiniment. C'est lui qui a razak, il est infiniment bon. Et quand il donne un dividende, il donne bira et rehissab, sans limite. Je me demande qu'elle l'a fait avec Sachi. Ça te rappelle là, il devient bénéfique pour nous-mêmes, dans nos relations avec casse, dans nos relations avec business, dans nos relations avec tous les restes, pour que nous réussissions. Ça, les guerres propres, quand on nous comprend qui, c'est que le sentiment qui nous vient en harmonie avec tous les restes, en harmonie avec la nature, en harmonie avec la société, et que nous succès trouvent d'adopter sa principe de base, qu'Allah t'a donné. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulika wa habibika Muhammad. وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي الشام وفي سوريا وفي اليمن وفي الهند وفي الصين وأينما يكونوا مظلومين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه ودعوه ليستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أخي مسلم